Chers amis qui me faites l'honneur de me suivre sur mes différentes vidéos de méditation, en ce 4 février 2016, je vous dis un grand bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Joie Angélique. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Joie Angélique, vous avez pu constater que depuis à peu près 2 années, je mets régulièrement sur YouTube des vidéos de méditation du type éveil des chakras. À partir de ce jour, j'entame une nouvelle série de vidéos sur le voyage astral, dénommé également voyage hors du corps. Voyage astral étant une expression qui est la plus couramment utilisée, qui n'est pas forcément exacte, puisqu'il n'y a pas qu'un univers astral, il y a différentes dimensions dans l'univers, si j'ose dire, et dans le spirituel, mais bon, c'est une expression consacrée qui a été mise en avant dans différents ouvrages. Donc, j'emploierai volontiers cette expression de voyage astral, même si elle ne me paraît pas toujours des plus exactes. Donc, cette vidéo aujourd'hui a pour mission de présenter cette série de vidéos que je vais mettre dans les mois prochains. La première de base, protocole de base, ce sera d'ici quelques jours, mais ensuite, à peu près une fois par mois, je mettrai une nouvelle vidéo sur différents protocoles de voyage astral. Pourquoi différentes vidéos et pas une seule? Ah ben, ça serait trop beau, ça serait trop facile, mais les exercices pour favoriser le voyage hors du corps ou voyage astral, qui vont être efficaces pour les uns, vont l'être beaucoup moins pour d'autres et ce seront d'autres exercices qui conviendront mieux pour cela. Donc c'est pour ça qu'il faut une variante, tout un panel de séances différentes pour vivre réellement l'expérience. Voilà. Alors, je m'intéresse au sujet depuis longtemps, depuis maintenant 45 ans. La première expérience forte d'extériorisation de la conscience que j'ai vécue, elle s'est passée en juillet 1970, et même ce mois-là, j'ai eu plusieurs expériences, je dirais spontanées, qui se sont suivies à quelques semaines d'intervalle. C'était en juillet 1970, donc ça fait maintenant 45 ans et bientôt 46 ans que je m'intéresse à ce sujet du voyage astral, des expériences hors du corps. La première expérience que j'ai faite, c'était donc un soir de juillet 1970. Il faut dire que je suis né dans un milieu familial qui était tout à fait hermétique, fermé à ces domaines. À la vérité, je n'avais jamais entendu parler de ces sujets précisément dans ma famille. Ça a été un bien, je dirais, parce que je n'étais pas influencé psychologiquement. Par contre, j'envie toutes les jeunes générations actuelles qui, par Internet, peuvent avoir très très rapidement un tas de renseignements qui peuvent les rassurer. Parce que des fois, quand on vit certaines expériences et qu'on est dans l'inconnu, il y a quand même une peur, une angoisse intérieure. On se demande qu'est-ce que c'est. Bon, à l'époque, moi, j'étais dans l'inconnu. À l'heure actuelle, bon, on appuie sur Internet, là, on recherche, et voilà, tout de suite, on a des éléments. Je trouve que ce sont des opportunités d'avancement actuelles qui sont de l'ordre du considérable. Je n'ai pas eu cette chance en 1970. À l'époque, il existait très peu de livres en français sur le sujet. Maintenant, il y a un tas de livres en français sur le sujet. Bon, en langue anglaise, il y en a beaucoup plus, mais déjà en français, on a énormément d'ouvrages sur le sujet qui sont fort intéressants. D'une part, des récits d'expériences vécues par ce qu'on pourrait appeler des expérienceurs ou expérimentateurs, et puis également des ouvrages de pratique, hein, des exercices pratiques pour vivre l'expérience. Voilà.
Donc, revenons à ce fameux soir de début du mois de juillet 1970. J'étais tombé par hasard, si tant est que le hasard existe, sur un petit ouvrage de Paul Clément Jagot qui s'intitulait L'influence à distance. Un livre que je pense qu'il doit être toujours trouvable, ou tout du moins sur le marché de l'occasion, très certainement. Alors, cet auteur proposait des petites expériences de télépathie. Et sur un camarade, Aldo, je faisais des expériences avec lui de télépathie, c'est-à-dire par exemple, je fermais les yeux, j'imaginais une couleur, j'essayais d'imaginer qu'il la voyait, et effectivement, comme il était très médium naturellement, sans doute très sensible, eh bien, ces expériences marchaient relativement bien. On essayait avec les lettres de l'alphabet, avec des séries de nombres, etc., etc. Ça marchait assez bien. On avait convenu qu'un soir, vers 21 h, on habitait à peu près, on logeait à peu près, je dirais, à une dizaine de kilomètres de distance. On avait convenu qu'à 21 h, on penserait l'un à l'autre à la même heure ce soir-là, et que moi, j'essaierais de lui transmettre quelques séries de chiffres, et pour vérifier le lendemain, bien sûr, s'il les avait reçus. Bon, il lui suffisait après de l'écrire sur un papier, et puis on vérifierait bien évidemment la coïncidence de nos envois de nombres. Voilà. J'étais l'émetteur, il était le récepteur. Donc ce soir-là, 21 h, je me détends. Je pense à lui. Alors je fais un exercice particulier, mais j'étais très très ignorant dans ces domaines, hein, j'étais néophyte, et j'imagine, si vous voulez, je m'identifie à lui, je m'imagine que je suis lui, et que donc à travers ses yeux, je vois ces fameux nombres que je devais lui transmettre. Donc je fais ça, et tout d'un coup, en face de moi, je ressens, tout en face de moi, comme un grand tourbillon, comme ça, imaginez comme un grand tourbillon. Alors, c'était pas visuel, hein, c'était pas un tourbillon lumineux que j'ai vu, mais c'était une sensation d'aspiration tourbillonnaire tactile, plof, comme ça. Et tout d'un coup, patatras, je me retrouve dans sa chambre et je vois tous les détails de sa chambre. Je vois mon ami Aldo, je vois bien son pyjama, la couleur, les détails de son pyjama. Je vois les détails de certains objets comme ils étaient posés dans sa pièce. Je vois sa lampe de chevet posée sur sa table de chevet. Je vois des détails de cet ordre-là, si vous voulez. Et puis, ça dure, l'expérience dure. Je pourrais pas vous dire le temps exact. Dans ces expériences, c'est assez souvent assez difficile de déterminer la durée exacte, hein. Je dirais que l'expérience a duré maximum 30 ou 40 secondes, mais c'est suffisant pour regarder tous les détails quand même. Et puis je me retrouve de nouveau dans mon corps, voilà, donc chez moi à 10 km. Hein. Bon, comme je n'y connaissais rien, je me dis qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène bizarre? Mais le lendemain matin, j'ai quand même la très bonne idée de me rendre chez lui et puis de lui demander ben voilà, si je peux vérifier comment était son pyjama, les objets dans la pièce. Hein. Parce que j'ignorais tout ça, bien sûr, au départ. Et donc, son pyjama, il était 100% comme je l'avais vu. Mais non seulement ça, je lui dis, ta lampe hier soir, elle n'était pas là parce que. Entre-temps, il avait déplacé la lampe. Elle n'était pas là, elle était là, sur ta table de chevet. Elle était posée là, la lampe. Elle n'était pas là. Il me regarde avec des yeux tout ronds comme ça, complètement ébahi, stupéfait. Comment tu peux savoir ça? Et c'est là que je lui raconte l'expérience. Et voilà, donc c'était une expérience au départ qui peut paraître subjective, c'est un phénomène intérieur, mais qui est vérifié par des preuves extérieure, bien concrète. Donc ça, c'était très intéressant pour moi, parce que j'étais pas devenu ma boule, on pourrait dire. Non, il y avait une expérience bien réelle. D'autre part, les nombres que je lui avais envoyés par télépathie, ça correspondait, ça s'était bien effectué. Voilà.
Donc ça a été quand même la première expérience forte à ce sujet-là. Bon, bien sûr, j'ai commencé peu à peu à me documenter. Et je dirais à peu près 10, 12 jours plus tard, le même mois de juillet 1970, au milieu de la nuit, une trouille épouvantable, pourquoi? Parce que je me réveille, je suis parfaitement lucide, hein, donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec un rêve, hein, mais je me sens complètement, avec le corps physique, complètement paralysé. Donc je suis parfaitement lucide, parfaitement conscient, je ne peux pas bouger d'un millimètre, j'ai une trouille énorme. Ce que je me dis demain matin, voilà quoi, demain matin je suis bon pour l'hôpital, voilà, paralysé et tout, enfin, une trouille épouvantable, hein, franchement, la trouille. Et une trouille qui ne dure pas très longtemps, parce qu'au bout de, là aussi, peut-être 30 secondes environ, je vois, là cette fois c'est vraiment visuel comme expérience, très très visuel, mais pas que visuel, je ressens et je vois une lumière qui monte du bas de mon ventre, monte jusqu'au milieu de la poitrine, ce qu'on appelle maintenant dans le yoga, bien sûr, le chakra du cœur. Et cette lumière arrivée dans le chakra du cœur, c'est une extase. C'est un mélange de plaisir, d'extase, de béatitude infinie, une impression d'avoir perdu ses limites dans la jouissance, dans le bien-être. Quelque chose d'infini, quoi. Une impression qu'il n'y a pas de limite. Quelque chose d'extrême. Hein. Mais très très bienfaisant, très très agréable. Et en face de moi, je vois deux. Alors oui, alors dans cette expérience, si vous voulez, voilà. Dès que la lumière arrive, j'ai l'impression quand même que je suis un peu au-dessus de mon corps physique, vous voyez? Hein? Donc d'où phénomène d'extériorisation de la conscience. Je suis plus du tout intégré dans mon corps physique. Je suis un peu au-dessus. Et là, je vois deux mains qui apparaissent. Dans mon esprit, pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire la réponse, mais dans mon esprit, il s'agissait, si vous voulez, des mains du Christ. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vois deux mains qui font un certain geste, etc. Et voilà, en face de moi. Et voilà, je vois ces mains. Et puis, voilà, après, l'expérience se dissout, disparaît, je me sens de nouveau dans le corps et je peux remuer progressivement mon corps physique. Voilà. Alors ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est qu'à partir de là, j'ai eu l'envie, c'est ça, presque le besoin d'imposer les mains sur des personnes. Et voilà, à partir de là, j'obtenais des guérisons. Et c'est à partir de ce fameux jour de juillet 1970 que j'ai pratiqué les soins par magnétisme qui continuent à ce jour en 2016. Hein. Vous voyez, ça, voilà, on arrive bientôt aux 46 ans. Voilà. Donc, ce sont deux premières expériences d'extériorisation de la conscience qui ont été très fortes pour moi. Bon, bah, après, il y en a eu un bon nombre d'autres, bien sûr. Après, on passe du spontané à essayer de maîtriser le phénomène, ce qui semble logique, hein, comme toute chose. Et bon, ben voilà. Et ça a été le début très fort. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la première expérience, on a des preuves très objectives. Le pyjama, la position de certains objets, c'est très objectif. Donc, pour les personnes qui disent, bah, ces expériences-là, ce sont simplement des rêves qui sont un peu plus vivaces que les autres, il est possible, effectivement, qu'une partie de ces expériences soient des rêves plus vivaces que les autres. Je ne nie pas la possibilité, et c'est sans doute probable. Mais dire et réduire ces phénomènes qu'à des rêves particulièrement vivaces, ça, je suis désolé, mais c'est absolument faux. Parce que dans bien des expériences que j'ai réalisées en voyage astral, ou extériorisation de la conscience, il y a eu ensuite des preuves objectives tout à fait vérifiables. Et donc ça, c'est pas de l'ordre d'un rêve particulièrement vivace. Voilà.
Je vais vous donner deux autres exemples, enfin, deux autres exemples où il y a eu preuve très concrète. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, ils sont pas plus, ces exemples sont particulièrement troublants. J'avais égaré une clé. J'étais président d'une association, 1901. J'avais égaré une clé sans doute dans le local de l'association, et impossible de la retrouver, mais vraiment impossible. Et c'était très dommageable, c'était très pénible de perdre cette clé parce que quand même, il aurait fallu changer la serrure de deux portes, etc. C'était coûteux, faire venir un serrurier. Bon, enfin, c'était compliqué. Puis c'était urgent de retrouver cette clé parce qu'on ne pouvait plus fermer le local à clé, hein. Et bon, la nuit qui suit, je me retrouve en dehors de mon corps physique, projeté dans le local de l'association. Et c'était comme si quelqu'un me poussait derrière les épaules, si vous voulez, en quelque sorte, me faisait revisiter tout le mobilier, tout ce qu'il y avait dans le local de l'association. Et à un moment donné, sous des feuillets, sous des documents, dans un placard, il y a, voilà, en dédoublement, il y a la clé qui m'apparaît bien brillante, bien là. Je me retrouve dans mon corps physique. Bon, et vous comprenez bien que le lendemain matin, je vais vérifier ça vite fait. Bon, toujours est-il que la clé était bien située là. Phénomène curieux. Vous pouvez me dire, bon, c'était un souvenir dans l'inconscient, voilà, que la clé, j'avais mis la clé là. Le seul problème, c'est que c'était pas moi, en plus, qui avait placé cette clé-là. Vous voyez? C'est assez curieux. Ça, c'est quand même, on n'est pas loin de preuves objectives non plus là. Alors, autre phénomène intéressant. Donc là, à une époque où je pratiquais beaucoup les expériences volontaires, bien conscientes de voyage astral. D'ailleurs, ce protocole que j'employais à l'époque, j'aurai l'occasion de le mettre sur YouTube à un moment donné, hein. Enfin, toujours est-il que donc, au milieu de la nuit, je me réveille, je décide de sortir de mon corps physique. Alors, je faisais un exercice qui consistait à bien tactilement représenter le sol et visuellement tout l'entourage. Je marchais, je sentais les mouvements de mon corps sur le sol dans l'appartement. Enfin, je tâtais les murs. Enfin, vous voyez, j'étais beaucoup axé sur tous les détails possibles pour rendre la scène la plus vivace possible. Au bout d'un moment, je me retrouve bien là, présentement, consciemment. Hein, c'est pas un rêve. Et je passe devant la chambre de ma fille, je vois la porte entrouverte, je jette un œil, et très curieux, je vois ma fille, sans doute encore astrale, hein, ou elle rêvait, je ne sais pas, qui dessine et rigole avec un petit camarade. Donc je vois bien tous les détails de ce petit camarade, ses cheveux, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, enfin voilà, sa taille, etc. Et ce qui est infiniment curieux, c'est que ce camarade, je l'avais strictement jamais vu. Hein, strictement jamais vu. Hein. Voilà. Au bout d'un moment, je rentre de nouveau dans mon corps physique. Et je dirais à peu près 5 jours plus tard, il y a ma fille qui revient de l'école, avec un nouveau camarade à elle, et c'était ce gamin-là, en détail, point par point, comme je l'avais vu lors du dédoublement. Ça, c'était pour moi assez extraordinaire. Parce que vraiment, voilà, ça prouve qu'on a toute une vie de l'autre côté, dans une autre dimension la nuit, donc ma fille avec ce petit camarade de classe, moi qui observe la scène. Et qu'après, on peut vérifier des choses sur le plan physique les jours qui suivent. C'est très curieux. Là, c'était aussi une preuve vraiment très objective. Ce camarade, je ne l'avais jamais vu. Elle n'en avait jamais parlé parce qu'il était tout récent. Et voilà, l'époque, dans la vie bien matérielle, elle le ramène dans l'appartement quelques jours plus tard. Donc, ça, j'avais été assez estomaqué. Alors, des expériences, je pourrais en raconter plein.
Il existe d'excellents ouvrages sur la question. Je pense par exemple aux ouvrages d'Anne et Daniel Moreau-Gévaudan qui sont excellents, qui sont très intéressants. Il existe beaucoup d'autres ouvrages hein, également intéressants. Donc, moi, mon but, si vous voulez, c'est pas de raconter ma vie. Hein. Je pense que les gens en ont qu'à faire. Ce qui compte pour moi, c'est témoigner de la réalité d'un phénomène hein, et de donner les clés pour le vivre. Pourquoi pour le vivre? Alors, personne n'est obligé de vivre ce phénomène. Je veux dire par là. Hein, si ça fiche la trouille aux gens, si vous dites voilà, je ne reviendrai pas dans mon corps physique, enfin des âneries qu'on entend sur Internet ou ailleurs, de la part de personnes qui veulent surtout pas que l'être humain pense par lui-même, s'émancipe spirituellement, sorte de carcan spirituel de certains groupements. Bon, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais si vous voulez, moi ça m'a apporté beaucoup parce que du jour où vous avez la preuve, par exemple, qu'on peut vivre en dehors de son corps physique et qu'on peut avoir des preuves objectives après, voilà, vous n'avez plus peur de la mort parce que vous savez que bah, vous vivrez toujours. Hein, la mort est un passage. Et si vous voulez, c'est bien de le lire sur des ouvrages, d'avoir des témoignages de personnes, c'est utile. Mais c'est 100 fois mieux de le vivre soi-même, parce qu'une fois qu'on l'a vécu soi-même, voilà, on est convaincu. C'est plus une croyance, c'est plus un système de croyance. C'est une expérience concrète qu'on vit. Donc ça, on ne peut plus le retirer, si vous voulez. Ça devient une conviction, parce que c'est plus une croyance. Hein. C'est une expérience. Et ça, pour moi, ça a changé ma vie. Puisqu'on acquiert par la suite une philosophie de la vie qui est totalement différente. On n'est plus matérialiste. Tout du moins, on n'est plus autant matérialiste. On sait qu'il y a d'autres choses en dehors de la matière, du plan physique. On sait qu'on survivra. On sait qu'on est là pour s'améliorer, pour évoluer, pour avancer, pour partager, pour être solidaire envers autrui. Il y a toutes ces choses-là qui ressortent, si vous voulez. Donc ça devient très important. C'est très libérateur, je dirais. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est une expérience qu'on peut avoir des peurs autour d'elle, et je le conçois parfaitement. Parce que, si vous voulez, il y a des peurs comme est-ce que je vais revenir? En fin de compte, on revient. On revient parce que si vous voulez, on a notre heure pour mourir. Hein. On revient, on est rattaché à notre corps physique par un cordon énergétique qu'on appelle aussi le cordon d'argent. Hein. Donc on revient. Bon, ce qu'il y a, je pense, c'est qu'il y a certaines précautions à prendre. Moi, je conseille toujours de faire ces expériences au début, tout du moins quand on est débutant, toujours dans le même endroit. Donc dans un lieu dont on soit sûr au point de vue énergétique, pour ne pas côtoyer des énergies négatives. Hein. Parce qu'une des peurs, c'est de dire, tiens, je vais sortir de ma coquille physique, là, et puis peut-être qu'une autre entité va se dire, tiens, ça serait chouette de prendre sa place, quoi. Hein. Vous voyez, par exemple, un décédé qui n'arrive pas à se détacher du plan matériel. Bon, c'est fort improbable pour deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait qu'il ait des affinités vibratoires avec l'autre corps physique très fortes. Hein. Ce qui est fort peu probable. Et puis, deuxième point, on a une protection autour de nous, énergétique, qui subsiste toujours. Hein, parce que le corps éthérique, ce qu'on appelle, ben, il subsiste dans notre corps physique, hein, en cas de dédoublement. Et donc, il est là pour protéger notre corps physique. Et si quelqu'un veut se rapprocher, le cordon d'argent tire sur notre corps astral, on a vite fait, bien fait de revenir. Hein. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc, tous les fantasmes, je dirais, autour, attention, voyage astral, c'est l'expérience terrible, non. Ça, c'est vraiment, alors là, c'est fait, c'est la peur du croque-mitaine pour vraiment vous empêcher d'évoluer et surtout éviter que vous continuez pas de donner des sous à tel groupe ou tel groupe, vous voyez, spirituel qui veut avoir la mainmise sur votre cerveau, sur votre mental. Hein. Mais en réalité, au contraire, c'est une expérience libératrice et qui est très très positive. Alors, est-ce qu'il peut y avoir parfois des mésaventures? Oui,
Oui, bien sûr, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, des mésaventures, côtoyer des dimensions pas trop agréables, si vous voulez. Bon, mais bon, vous priez vos guides spirituels, vous priez la source divine, et puis vous retournez dans votre corps physique, hein. Faut pas exagérer ces choses, hein. Et si vous vivez des choses comme ça, c'est peut-être parce que vous aviez à les vivre, justement, pour vous renforcer, pour évoluer, hein. Bon, mais si on peut s'en passer. C'est d'autant mieux, j'en conviens. C'est pour ça que je conseille, surtout au début, de s'entraîner toujours au même endroit, en endroit, vous voyez, au point de vue énergétique, bien protégé, où on se sent bien, dans sa chambre, vous voyez, des choses comme ça. Au début, éviter les chambres d'hôtel qui ont été côtoyées par des centaines d'individus différents, dont certains peuvent avoir des vibrations énergétiques plus ou moins douteuses. Voilà. C'est une précaution à prendre. Bon, les dangers réels dont on parle peu, je dirais que voilà, le voyage astral, ça me semble nécessaire de le vivre comme une expérience initiatique d'évolution personnelle et surtout d'éviter que ce soit un mécanisme de fuite psychologique. Voilà, je vis au quotidien des choses désagréables, donc hop, voilà, je me dédouble pour vivre quelque chose de positif et voilà, je fuis la réalité quotidienne. Non. Ça serait une régression, ça serait pas positif, effectivement, vous voyez. Bon, est-ce que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette dynamique-là? J'avoue que non. Hein. J'avoue que non, donc il faut pas exagérer le phénomène, mais bon, je le signale. Parce que je pense que c'est un écueil à éviter tout de même. On est sur Terre pour vivre une expérience dans la matière. Le voyage astral, c'est un plus, mais ça ne doit pas remplacer notre vécu quotidien. Vous voyez? C'est un plus, mais il faut pas que ça soit une substitution. Il faut pas que ça soit une suite. Bon, alors on me demande souvent, mais bon, d'accord, l'expérience voyage astral, mais à quoi ça peut servir? La première chose, déjà, c'est une preuve concrète qu'on peut vivre en dehors de notre corps physique. Notre conscience n'est pas une sécrétion chimique dans notre cerveau. Le cerveau, c'est un émetteur-récepteur, mais la conscience, elle est ailleurs. Et on survit après la mort dans notre corps physique. Ça, c'est la grande preuve. Donc, ça, c'est bien utile de le vérifier concrètement. Deuxième point, on peut faire plein de choses en voyage astral. On peut rester en contact avec des amis qui sont en voyage à l'autre bout du globe terrestre. Ça je l'ai fait. J'ai eu l'occasion de le faire avec des preuves objectives. C'est intéressant. Par exemple, j'ai un ami qui était en voyage à Djibouti. Hein, ça fait loin de la France quand même, c'est pas à côté au point de vue distance. Donc j'ai fait une expérience. Ensuite, bien sûr, j'ai tout noté de ce que je voyais et tout. Cet ami, comment il était posé sur la plage, etc. Enfin, assis sur la plage, enfin, tout vérifié. Et quand il est revenu de voyage, quelques semaines plus tard, tout s'est vérifié, par exemple. Hein. Donc on peut rester en contact avec des amis de l'autre côté du globe terrestre, par exemple. On peut faire des voyages gratis, quoi. Voilà, c'est moins cher que l'avion. Hein. Enfin, je plaisante un peu, mais c'est vrai, c'est exact. Hein. On peut également faire des tâches d'aide invisible, ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est une tâche d'aide invisible? Bon, ben, je vous donne une expérience concrète que j'ai réalisée maintes fois, ça, hein, que j'ai réalisée maintes fois. Quelqu'un est malade, par exemple, là, c'était quelqu'un qui était malade à peu près à 70 km de chez moi, au milieu de la nuit. Donc, je sors de mon corps, je flotte au-dessus du paysage. Je vois un peu le paysage en dessous, comme si c'était du haut d'un hélicoptère, si vous voulez. C'est une sensation assez agréable, hein, rien que ça en soi. Et je me retrouve vers la maison de cette personne. Attention, je ne connaissais pas la maison de cette personne, hein, je ne connaissais pas son lieu exact. Hein. C'est d'autant plus intéressant. Je pénètre dans sa chambre, la personne est au lit, alitée, malade. Hein. Mais je veux dire que c'était la nuit. Mais bon, la personne était malade le jour aussi, bien sûr, alitée aussi le jour. Et donc j'impose les mains sur la tête de la personne. Hein, voilà, pour un soin énergétique. Hein. Bon, quelques semaines plus tard, j'ai l'occasion de vérifier dans le concret que ces lieux existent. Voilà. C'est un exemple.
Un autre exemple amusant, je vais dire, qui est assez amusant, parce qu'encore là, avec une preuve objective. Donc, je soignais une personne malade à distance, ce qui m'arrive très régulièrement encore maintenant, hein, en 2016. Donc, je soigne une personne à distance. Je m'imagine, bien sûr, en corps astral, que je suis près de la personne, je lui impose les mains, etc. Alors, ce qui est excessivement intéressant dans cette expérience-là, c'est que dans mes ex à l'époque, hein, à l'époque, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais à l'époque, moi j'aime beaucoup les habits jaunes, hein, que dans le quotidien en général, je mets très très rarement, hein, pour recevoir la personne. Vous voyez, je suis en habit tout simple, hein, hein, voilà, pour recevoir dans mon cabinet de soins, de consultation, etc. Je suis en habit tout simple. Mais à l'époque, quand je faisais mes expériences, et ça c'était pas dans la vie quotidienne, mais simplement pour mes expériences, je mettais une sorte de tunique jaune. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu l'intuition de mettre une tunique jaune, ça me plaisait, je me sentais à l'aise ainsi. Et donc, voilà, donc je fais le soin à distance, etc. Voilà, le lendemain, la personne, je la rencontre, elle me dit, mais arrivé une expérience assez extraordinaire hier soir. Elle me dit, je t'ai vu, je t'ai vu. Alors, j'ai été effaré parce que je t'ai jamais vu habillé ainsi. Tu étais habillé avec une tunique jaune, ce qui m'a fait tout à fait bizarre, et tu m'as imposé les mains. Ben voilà, cette personne a été très sensitive, très médium, donc elle m'a vu en corps astral, si vous voulez. Bon, là, c'était une magnifique preuve, parce qu'en plus, la personne, je lui ai dit, bah, je vais te révéler une chose, quand je fais mes expériences comme ça à distance, je mets une tunique jaune, effectivement. Donc, c'était une expérience intéressante. Hein. Donc, c'est pour dire qu'on peut faire l'office d'aide invisible, ce qu'on appelle, vous aider l'humanité, par exemple, la nuit, ou à des moments que vous êtes en voyage astral, pour aider à différentes tâches. Hein. Des tâches multiples possibles. Hein. Ça peut être utile à l'humanité. Vous pouvez étudier l'histoire, vous pouvez remonter dans le temps, vous pouvez faire un tas de choses, revoir vos vies antérieures, remonter dans le temps. Vous pouvez voir les probabilités du futur. Hein. D'ailleurs, entre nous, les probabilités du futur proche, pour le monde actuel, voilà. J'espère que ce ne sont que des probabilités. Et que ça ne se réalisera pas. Parce que les probabilités les plus éloignées, oui, j'espère qu'elles seront réalisées, elles se réaliseront, ces probabilités-là, parce que j'ai vu des choses magnifiques, une société vraiment tournée vers la nature, même avec une technicité très avancée, mais très tournée vers la nature, le respect, le partage, la spiritualité, on pourrait dire la démocratie participative, etc. Mais ça, c'est dans le futur un peu éloigné. Le futur proche, malheureusement, ce qu'on m'a montré, c'était beaucoup plus dur. Voilà, faut le dire. Donc j'espère que là, ce sont des probabilités qui se réaliseront pas, que le chemin sera beaucoup plus doux. Mais enfin, bon, dans l'état actuel des choses, on a l'impression que les probabilités dures proches, on a l'impression quand même un peu que les nuages noirs se présentent à l'horizon, hein, de par la l'égoïsme des êtres humains. Voilà. Mais bon, moi, j'espère le meilleur pour tout le monde, de tout cœur. Voilà, donc le voyage astral, ça peut servir à une multitude de choses. Hein. Vous pouvez, bien sûr, aller rendre visite à des personnes décédées, de votre famille ou amis. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire en voyage astral, tout à fait. Hein. Voilà. Ce sont des exemples que je viens de donner parmi d'autres. Donc là, vous allez avoir un passage sur l'introduction au voyage astral, hein, voilà, dans les minutes qui viennent. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo. Là, ça sera le protocole de base bien concret pour effectuer concrètement le voyage astral. Donc, chers amis qui me faites l'honneur de suivre ma chaîne YouTube Joie Angélique, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été assez clair parce que ces choses-là, pour certains, peuvent paraître assez farfelues, assez évanescentes, je dirais. Mais je vous dis, quand on vit ces expériences, c'est du très très bien concret. Voilà.
Au revoir, à bientôt.